Lila et la petite graine. C'est jour de marché, au beau milieu des fleurs, des carottes, des salades et des radis, les grands paniers des clients se remplissent. On entend crier par-ci et par-là. Croquez mes belles pommes! Par ici, les jolies fraises et les framboises! Des tomates bien mûres pour votre salade! Les étals du marché sont remplis à craquer. Ça sent bon les fruits et les légumes de saison. C'est un spectacle coloré qui défile sous les yeux des acheteuses et des clients empressés à faire leurs emplettes dans le tohu-bohu du marché. Soudain, un doux murmure s'échappe de ce joyeux tumulte. « Je suis perdue! Qui veut de moi? Je ne ressemble pas à grand-chose pour le moment, mais si vous prenez bien soin de moi, après quelques semaines de patience et d'attention, c'est une délicieuse surprise qui vous attend !» Lila, qui faisait le marché avec sa maman et qui passait par là, entendit la complainte de la petite graine. La petite fille s'approcha et lui répondit « Petite graine, si tu veux bien, je prendrai soin de toi !» Ces paroles réchauffèrent aussitôt le cœur de celle-ci, qui, emplie de joie, se jeta d'un bond dans le panier de Lila.